À 11 ans, elle apprend à jouer de la guitare. C'est au lycée qu'elle découvre le rock'n'roll. Ce sont les compliments de ses amis à propos de sa voix qui l'ont poussée à effectuer une série de formations semi-professionnelles auxquelles elle développe son talent de chanteuse et de showwoman. Elle effectue aussi des petits boulots comme chanteuse de piano-bar, secrétaire, professeur de karaté et enfin vendeuse de boutiques de mode excentrique qui lui servira à créer son premier look. En 1983, elle signe un contrat chez Portrait qui appartient à Sony et sa carrière commence par un Grammy Awards pour meilleur artiste féminin et pour avoir 5 singles dans le top 10 avec son album She Saw Who's World. Dans le premier single Girls Just Want to Have Fun, il ne suffisait pas de faire la dingue en hurlant « Les filles veulent juste s'amuser », ce que beaucoup d'ailleurs ont traduit par « Les filles ne s'intéressent qu'au sexe ». C'est David Wolf, son petit ami, puis devenu son manager, qui l'a aidé à résoudre le problème. Écoutons quelques-uns de ses singles « Girls Just Want to Have Fun »,« Time After Time »,« She Bop ». Voici le maxi 45 tours de Cyndi Lauper, « Girls Just Want to Have Fun ». En pressage japonais.